Wanna play with Zilan? Je peux vraiment bien. Il m'a sorti Zilan. Why not? Les Fiora, est-ce que c'est comme les Vayne? Moins. Non, les pires persos qu'il faut arrêter de jouer en solo queue parce que vous avez pas le niveau, c'est vraiment Vayne le premier. Fiora, bah Fiora, oui, c'est pas mal aussi, tu me diras. Mais c'est plus simple à jouer que Vayne. Vayne, c'est vraiment compliqué, tu vois. En fait, le problème de ce perso, c'est que, tu vois, là, la Vayne, on lui a donné 4 kills, elle est en 5-1. Ça servait à rien. Et je savais déjà, en fait, genre, je savais déjà que c'était pas. Tu vois, tu mets 5 kills sur Kassadin ou Fiora, tu sais que la game, elle est bien partie. Tu mets 5 kills sur Vayne. Ça veut rien dire, mec. En fait, les Vayne players, c'est des persos qui peuvent se faire one shot 3 fois d'affilée alors qu'ils sont en 12-0, tu vois. C'est des kills qui sont pas worse. Moi, je préfère ne pas donner de kill à Vayne, tu vois. Genre, c'est jamais worse en fait. T'as pas de sécurité à donner des kills à une Vayne. Alors que Fiora, t'as des sécurités à donner des kills sur Fiora. Je mets une Fiora en 3-0, je suis en mode bon, la top lane c'est pas mal. Je mets une Vayne en 3-0, je suis ni chaud ni froid. Genre, je suis en mode bon, bah. J'ai chier, j'ai pas eu les kills, quoi. Que ce soit dans mon équipe ou dans l'équipe d'en face, j'en pense la même chose. Hein. C'est pas genre que dans mon équipe. Hein. Et à chaque fois que je joue Evelynn et qu'il y a des Vayne, j'arrête pas de vous dire, elle peut être en 12-0, j'en ai rien à foutre. La suite de la game, vous la voyez, la meuf elle est en 4-1, 4-0, puis elle fait 4-4, genre. Alors que tu vois, tu mets une Kessa en 4-0, t'as bon espoir que la personne elle fasse des trucs corrects avec, quoi. S'il y avait vraiment une comparaison à faire, ça serait Yasuo. Parce que Yasuo, c'est le perso, même s'il a 4 kills, il peut se faire one shot dans un teamfight de manière complètement bidon. Et du coup, t'es en mode, ah bah. C'était notre meilleur élément qui est mort sur une auto sur 3 auto-attaques, tu vois. C'est un peu pareil. Et si j'avais un smite, mec, j'aurais rigolé là. C'est chaud ou pas? En vrai, je pète la gueule. Enfin, je pète la gueule, non, je pense pas. Ça fait quoi là quand je fais comme ça? Ça va flasher mon bro. Oh putain, quel niveau de jeu. Oh la vache. C'est vraiment pas beau à regarder. Attends, il s'est fait all-in là? Je sais pas quel est le plus moche. Qu'est-ce que c'est que cette TP, mec? Je vais mettre les auto-attaques pour ralentir, mais. Ah, c'est MR, d'accord, j'ai cru que c'était le top laner, c'est pour ça que j'étais en PLS. Excusez-moi, j'ai pas vu que c'était un MR TP. Ok, on a récupéré celui-là. Je pense que je suis même capable d'aller récupérer celui topside. Putain, mais mec, elle prend tout, hein. Elle prend celle-là sur la canon, là. Allez, mon bro. Ok, on fait tomber le flash. Par contre, là. Allez, mon bro. Je vais pas avoir les dégâts. Ah, attends, mais il court vite, là, wesh. Il a quoi? Il a des bottes 1? D'accord. J'étais bien caché, là. Elle les a bien visés. Je suis déjà 5. Attends, mais je suis à 5 minutes 30. Mais là, elle est gagnée cette game. Ils m'ont tellement fed là. Je vous ai dit, leur lit, il se passe tout le temps bien avec Ekarim. C'est un truc de fou. Hein. Je sais pas si c'est le perso ou moi, mais leur lit est trop bien dessus. Et le mid game est genre, il est légit ok, tu vois. Peut-être le tuer lui. Il va être content là. Ok. J'aurais pu le laisser, mais bon. J'en ai marre de faire confiance aux autres. On va s'occuper de nous un peu. Tant que je suis pas en master, je vais commencer à faire comme la game où j'ai fait 17-1, genre. On va jouer un peu pour nous. Ça, on sera à plus haut elo, je l'aurais laissé celui-là. Parce que c'est quand même une décale de Leblanc. Mais là, vu que Leblanc, elle est déjà morte deux fois en 1v1, bon, j'ai plus confiance en moi quand elle. Peut-être essayer de lui faire claquer son. Contre un prédateur, je vais lui faire claquer son ulti. Oh, c'est excellent ça. Oh, t'as pas touché? Je crois qu'elle avait chaîné, my bad. Bon, c'est pas grave, ça reste worse. En vrai, j'ai envie de rester un peu mid-bot. Chercher un peu. Là, on peut faire un truc. Non, mais il est sérieux, non? Enfin, il est sérieux, pardon. Ok, j'ai R pendant le. En gros, je vais R pendant le charme d'Harry. Ah putain, comme ça, bah, je prends pas le charme. Belle décale de la part de Zizi. Top lane, je vois que ça se fight. Potentiellement y aller, là, en vrai. Pas dû me laisser l'aggro, mon bro. C'était à moi vraiment de la prendre, la grosse, c'était vraiment pas à lui là. Il m'a fait peur ce con. En vrai, il me faudrait juste un duo, mais Karim c'est. Ah, déjà en solo, ça va être là, ça va être 5 wins, une loose si on gagne celle-là. Elle est pas gagnée évidemment. Mais c'est mon nouveau pick. Hein. Pas beaucoup joué d'ailleurs, c'est ça qui me fait le plus surprendre. Je sais pas si. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me convient très très bien. Hein. En plus, j'aime bien le gameplay. Bon, après, il y a un moment, ça va me lasser quand je vais commencer à le spammer. Au bout de 25-30 games, bon, le perso t'en as un peu marre quoi. Déjà la Trinité à 10 minutes. On est bien.
Je crois que ça va être une game à Yumu. Très clairement, ça va être une bonne game à Yumu, ça, les potes. Je vais aller m'occuper de la top lane, comme ça, on va aller prendre la tourelle. J'ai même pas besoin de ganker, en fait. Là, juste, je regarde et je lui fais, bah, casse-toi, parce que je vais prendre la tourelle. Et il peut rien faire, le pot. Ce qu'il peut faire, c'est demander à Nunu de venir, et Nunu, il doit venir. Mais stop. Là, je vois Nunu. Mais sérieux, là? Il est où? Oh, on n'a pas la même cible. Ok. Je me suis fait silence en fait, c'est pour ça que j'ai pas très bien joué le move. Et que même moi j'ai tellement plus l'habitude des silences dans LoL que ça m'a surpris quoi. Bon, je crois que ça va être encore pour sa gueule hein. Ça marche si bien. Bon dégât. Je crois que ça va être le moment de faire l'Hérald puisqu'ils sont tous bot lane. Oh, ils sont tellement low. Bon, moi j'ai un free Hérald. J'enchaînerai par le son red buff à mon avis. Je pense que je peux aller checker. De toute façon, avec les wards que j'ai, je pense que je peux me permettre hein. Il avait une gueule à avoir envie de flasher, hein. Je sais pas si vous avez vu. Je vais juste mettre un poke. Merde, putain, mais c'était la tourelle ça. Pardon. C'était pas folichon quoi. Merde. Pas m'occuper du tout. Okay. Putain, mais la tourelle, elle fait tellement mal maintenant. Mais c'est incroyable les dégâts hein. Oh, les dégâts du truc, bordel. On peut hein. Le blanc? Ah non, ils sont plusieurs là. Ok, je sais pas. Attends, je suis pas là. Ouf! Je me suis fait creep block, bordel. Après, j'ai une bonne vitesse de base. C'était vraiment nécessaire. Je l'avais dans tous les cas, c'est dommage. Je suis pas très bien. Putain, il avait pré-shot correctement. Elle est morte là hein, par contre. Hein. Il y a des choses qu'il faut pas faire dans la vie ma belle. Hein. Et ça en fait partie. Hein. Salut. Ça va? Nice. Bien joué l'équipe. Et ça vient de respawn. On va jouer par là je pense. Hein. Salut. Quoi qu'on va gosse. Merde j'ai Yumu. Oh fais chier, je suis un enculé. Attends mais... Oh, il a touché au bon endroit ce bâtard. Il a fait un très bon Q. Je vais peut-être aller un peu loin là, non? Non, mais elle est sérieuse ou pas là? Mais elle a du mal en fait avec. Non, mais je suis allé tellement vite, j'ai pas compris là. Attends, mais what the fuck là? Qu'est-ce que je suis en train de branler là? Qu'est-ce qui se passe là? Mec, j'étais trop perdu, what the fuck? Il y avait trop de monde là. Zilan avait déjà ulti, my bad. De toute façon, il pouvait pas m'ulti au point de janté. Tu fous quoi? Bah, je sais pas, mec. Genre, il y a trop de movement speed sur mon truc, j'arrive pas à tout contrôler moi. Putain, va conduire une Ferrari et si t'y arrives, tu m'appelles. Hein. Mais c'est pas ma faute si le perso va trop vite quand même. Putain, mais c'est à eux leur pink là. Mais c'est hors de question là. Ouais, mon bro. Hein. Marche pas comme ça. Hein. Pareil lui. On va le fire, hein, direct. L'aftershock qui tombe. Ok, j'ai un smite à 900. Si je fais pas le con, c'est bon. Attends, parce que là... C'est plus dur que prévu, hein. Ah le bâtard, il est trop fort. Mais comment il tue pas là? Attends, mais elle est où Fiora? Mais what? J'en avais 4 sur le cul. On a pas pris la tourelle. Oh là là, ils sont graves enfin. Non franchement ils sont graves par contre. On est full stuff, va falloir terminer, mais on a pris les deux inhibs, c'est bien. Sachant qu'il y a un Drake infernal dans 40 secondes. Non, j'ai pu mon passif. Non, ils ont attendu au perfect pixel près, ces bâtards.
Moi je fais très mal, il a l'air de faire très mal aussi. Je régène en plus. J'aime bien mon petit build là. Bon après il faut qu'il y ait beaucoup d'AP en face pour que ça soit viable mais... Oh putain. Mais ils sont graves, hein. C'est qui est... Mais c'est la même, hein, tu me diras. Putain, mais Fiora, mec. Ah, mais... Tu vas me délaisser ce jeu vidéo, Fiofio, hein. Clairement. Ouh là là, il y a le monstre, là. J'ai mon Z d'activer. Putain, mais regardez, je suis Criplock. What the fuck. Fiora, point d'interrogation. T'as pas honte d'avoir gagné? Est-ce que t'as pas honte d'avoir gagné, Fiora? Nice, le Zilean qui va être là, directement honneur. Un monstre, putain. Un monstre, le mec. On s'est trop bien entendu, bordel.